Instant Gospel. Voilà, nous sommes dans Instant Gospel. Bienvenue à vous. Ça se passe dans Studio 210. Qui je reçois, je ne vous le dis pas. Je vous propose plutôt d'avoir de suivre ce clip intitulé Nanango. Nanango, vous suivez. Ensuite, nous revenons sur ce plateau pour découvrir l'invité. Il est évangéliste, mais il est aussi chanteur. À découvrir. Vous, pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. Qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand amour et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Car son amour pour nous est infini, glorifions-le, louons-le en musique et dans nos vies. Il est le Dieu tout-puissant. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux, la terre. Lui seul ma forteresse, El Shaddai. Il est le Dieu tout-puissant. Louange à Dieu. Voilà, j'ai parlé de Nanango, mais ce n'est pas Nanango que vous avez suivi, c'est plutôt Incomparable. C'est l'un des 12 titres de l'album Dieu, Créateur Incomparable, signé l'évangéliste Dandy Sosten. Bonjour, évangéliste. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de? Je suis accompagné de... Comment vous appelez? Hercel. Je m'appelle la sœur Hercel. La sœur Hercel. Et moi, c'est Daniela. Ah, Daniela. La sœur Emmanuel. Donc, on a deux sœurs et Daniela. Daniela n'est pas une sœur. Exactement. Vous êtes une sœur ou bien vous n'êtes pas une sœur? C'est une sœur. Ah, d'accord. Moi, c'est le frère Jazz. Bon, voilà. On va parler de votre album, Dieu créateur incomparable. Mais après, je me demande, évangéliste, je souligne le mot évangéliste. Vous êtes chantre? Est-ce que vous ne suivez pas deux lièvres à la fois, évangéliste, chantre? Bon, évangéliste, chantre, il y a des habits qui ont des poches, c'est-à-dire un évangéliste, oui, la vocation est complète. Parce que dans l'évangélisation, il y a également la louange, pas deux lièvres à la fois. Je suis un pasteur qui disait que généralement, les artistes finissent chrétiens, finissent par devenir des pasteurs. Il dit que c'est faire fausse route parce que lorsqu'on est appelé à être chantre, on reste chantre, c'est une vocation. Et lorsqu'on est pasteur ou évangéliste, on reste évangéliste. Le Congo a le bois, le Congo a le pétrole. C'est un seul pays. Nous avons le bois, nous avons la forêt, nous avons le pétrole. Donc il y a certaines personnes que Dieu a fait grâce. Et sa grâce là est complète. Celui qui a la grâce d'être pasteur, seulement pasteur, c'est sa grâce. Celui qui a la grâce d'être pasteur, chantre, c'est une grâce. D'accord. Dieu, créateur incomparable, pourquoi ce titre, créateur incomparable? Est-ce qu'il y a d'autres créateurs à côté de lui? Le Dieu créateur incomparable, pourquoi? Parce que j'ai entendu, j'ai vu et je vois. Et quand je regarde notre pays, le Congo, que Dieu a vraiment béni, le Dieu créateur, et qu'aujourd'hui les gens fassent plus attention aux idoles qu'au Dieu créateur, qui nous a donné ce sol qui nous donne le pétrole, ce sol qui est couvert de la forêt. Dernièrement, j'ai suivi à la télé, on disait que le seul pays actuellement
qui a vraiment la forêt indispensable pour tout le monde entier, c'est le Congo. Mais il faut louer qui? Est-ce que la forêt est le fruit de nos ancêtres? Est-ce que la forêt est le fruit de nos idoles? Mais la forêt et tout ce que nous vivons vient de Dieu créateur. C'est le Dieu créateur l'incomparable. Et ayant expérimenté ce que j'ai vu, je témoigne qu'il est seul l'incomparable. D'accord. Dieu créateur incomparable, j'ai dit 12 titres, c'est votre album, le tout premier que vous signez avec une diversité de styles. On a de la musique du chenou, donc le folklore congolais, on a des musiques, j'ai écouté la chanson, je vous disais, ça c'est un peu les rythmes américains. Pourquoi cette diversité de styles lorsqu'on sait que le gospel c'est généralement un titre, un style précis? Bon, diversité de styles parce que bon, chacun, c'est une fête au fait. Quand on organise une fête, on ne peut pas concentrer une fête sur le poisson salé seulement. Il y a des gens qui aiment le haricot, il y a des gens qui aiment le saka, et imaginez qu'une fête n'est que le poisson salé, et ceux qui ne mangent pas le poisson salé. Donc la diversité de ces styles, pour que chacun se retrouve. D'accord. Soit lié, qu'est-ce que c'est? Soit lié, ça veut dire allant vers Jésus. On peut écouter? Oui, vous avez le titre. Omo mo bubu olikali nzami mapasia we banya ewe ya gando sunga we ya gami na mapasia we mana nenga we gesego bubu tweliye 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 ya ga tweliye tweliye kali nzami osungia humi ya male sunga brabe. Yaga tweliye tweliye kali zami osungia humi ya male sunga babe twende no kali yisu mvukisi wisiri mokoto vukisa. Applaudis. On va aller du côté de la réalisation pour suivre le clip que j'ai proposé de suivre tout à l'heure, Nanango, qu'on n'a pas pu suivre. Suivons Nanango. Africa koka moi, non c'est ko bandana biso, mawa. Ezala bepi de mimi doki bitumba na biso na Africa mawa. Silisi bana ya kombo nanzela na trena obimpe ba kaminyo ya we to sali nini songa ya we awa alobili susu maladie mosu se bimi kombo AVC na paralysie nzambe bana ba kokufa olubi nini nzambe sala. Signé Dandy Sosten l'évangéliste, c'est quoi la philosophie de Nanango? La philosophie de Nanango, c'est que nous sommes dans un pays où, autour du monde où il y a tellement de maladies qui ne font que étonner. Et Nanango, c'est un cri en fait. Je disais à Dieu pourquoi les épidémies commencent toujours en Afrique avant la pandémie. Et avant la COVID. Avant la pandémie de COVID, on a parlé à Dieu, on a pleuré dans des prières. Et le titre vient pour ça. C'est dire à tous les Congolais, nous prions pour que Dieu nous bénisse. Mais nous devons prier pour les maladies. Aujourd'hui, tout le monde est malade. Nous devons prier pour ces maladies. Et dans le contenu ici, j'ai montré quelques images. Il y a des accidents que, des fois, qui surprennent. Tout nous surprend. Que des maladies.
Il suffit de passer toute une journée dans nos hôpitaux, vous verrez que les gens sont malades. Alors que les pasteurs passent, tout le monde passe, les évêques. Nous prêchons la parole de Dieu. Mais ce contexte de maladie qui semble nous dominer. Est-ce que Dieu n'écoute pas? Dieu nous écoute. Est-ce que ce n'est pas nous qui avons fait confiance aux idoles? Et les conséquences de l'idolâtrie peuvent apporter ces maladies qui ne font que pleuvoir. Voilà. Alors, l'album a été préparé dans quel état d'esprit? Est-ce que c'est un appel ou simplement c'est vous-même qui avez senti des besoins de composer quelque chose? Vous allez découvrir quand vous allez écouter ce qui est dans l'album. Vous saurez, vous allez convenir avec moi que ce sont des inspirations. Vous savez que chaque chose a son temps, ça fait beaucoup d'années qu'on a préparé cet album. Mais il fallait que le temps arrive. Alors, je ne crois pas que ce soit mon besoin. Ce que Dieu a mis en moi à parler, il est temps que tu dises ceci. Il est temps que tu te lèves. D'accord. C'est de l'autoproduction. J'ai envie de poser la question parce que je sais que c'est de l'autoproduction. Mais pourquoi c'est de l'autoproduction? Oh, mais nous sommes au Congo. Au Congo, c'est comment? Nous sommes au Congo. Il faut se battre. Il faut se battre. On a pu faire ce qu'on a pu faire. C'est de l'autoproduction avec le peu qu'on a. Et c'est le peu que vous avez. On a besoin, en fait. C'est pour cela que nous venons à la chaîne nationale. Votre besoin aujourd'hui, c'est d'avoir, c'est vrai que l'album est produit, d'avoir des distributeurs, d'avoir aussi des gens qui peuvent faire tourner en termes de spectacle. Vous avez la disponibilité. Vous avez tout dit. Le besoin, c'est à ce niveau. Nous avons besoin des hommes forts de ce pays. On les aperçoit à peine. On entend parler des producteurs. Je suis là, je me bats. S'ils sont disponibles à accompagner l'œuvre de Dieu, c'est une bonne chose. Ils sont disponibles à accompagner l'œuvre de Dieu. Vous avez un contact avec les producteurs? Oui, oui, j'ai un contact. Oui, vous voulez le donner, hein, ils vont... Bon, bah, ceux qui suivent, j'ai le 06 664 30 84. Je peux reprendre? 06 664 30 84. Il y a le 06 677 12 18. Alors, pour ceux qui voudraient avoir l'album, ça coûte combien? C'est 10 000? Bon, on n'a pas fait ça à 10 000. C'est conçu en France. Vous voyez que oui. C'est conçu en France. Donc c'est 25 000, si c'est conçu bon, en France. Bon, vu que les CD aujourd'hui ont un problème, c'est à 2500 seulement. Ah, seulement 2500. Je dis seulement. D'accord. Alors, pour avoir cet album, il faut vous appeler ou bien il y a des points de vente? Vous pouvez m'appeler, vous pouvez passer à la paroisse de Mayangi, à la paroisse de Talangaï, de Talankolo, à la paroisse de Ngamaba, l'église évangélique du Congo. La paroisse de Mayangi, c'est où? Vous descendez au PSP Plateau vers Jésus ressuscité, la paroisse est là. Et la paroisse de Talangaï à la de rue Talangaï, oui. Lompama, vers le marché de Talangaï. Et Ngamaba? À Ngamaba, c'est juste au goudron. D'accord. On va se séparer. Nous allons suivre le clip Namakolo Nankolo. Mais avant qu'on arrive au clip Namakolo Nankolo, je vais vous faire chanter quelque chose de votre choix que vous offrez à ceux qui nous suivent en ce moment. Nanango, 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 oyero miwa. Nanango, 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 oyero miwa. Angama yero to ambera kumbo zami. Oyeri koro miwa ebebe dinarina banon sampasi ebo. Ga ama, amani bisi. Nanango, nanango. Merci beaucoup, on applaudit le frère Dandy, non l'évangéliste Dandy Sosten et les charmantes sœurs. Vous avez dit le prénom? C'est la sœur Ersey. La sœur Ersey, la sœur Daniela. La sœur Daniela. Et là, j'ai retenu son nom, il n'y a pas de... Et la sœur? Et la sœur Emmanuel. Ensuite, Namakolo Nankolo, merci d'être passé dans le studio 210. Un message particulier? Oui, un message particulier, l'album. Okay. Voilà, j'ai mis à votre disposition, peuple congolais, il y a longtemps que... nous nous sous-estimons deux fois. On regardez se dit qu'il n'y a pas des bons artistes. Découvrez ce produit et jugez. Découvrez et jugez. Il y a une très bonne musique ici que vous allez suivre. On parle de Dieu créateur l'incomparable et tous ces titres témoignent la grandeur, la puissance de Dieu. Trouvez cet album, cherchez cet album et valorisons la musique chrétienne congolaise. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous produisons d'autres artistes. C'est bien, ce n'est pas un péché. Mais les nôtres, c'est très important. J'attends de vous les appels.
Celui qui veut avoir l'album, je me déplacerai pour venir vers lui. Et l'album est disponible, il est là pour vous. Jusqu'en RDC, ceux qui me suivent partout dans le monde, je suis disponible à vous apporter cet album. Que Dieu bénisse le Congo. Merci beaucoup, monsieur l'évangéliste. Namakolo Nankolo.